Kylian Cam, bonsoir. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous sur 20h25, qui est un rendez-vous que je souhaitais prendre avec l'opinion ivoirienne pour communiquer directement et donner mon avis sur des questions d'actualité. Merci, merci. Alors, actualité, je pense qu'actuellement, c'est la RLE, ou révision de la liste électorale. Quels sont ces enjeux? L'enjeu, c'est vraiment l'avenir du pays. Je pense que tout le monde sait qu'il y a une élection dans notre pays en octobre 2025 et je dis qu'elle sera déterminante pour la direction que doit prendre notre pays. Et donc, il est du devoir de chaque Ivoirien, Ivoirienne, de jouer son rôle et donc de pouvoir voter. Or, on ne peut voter que si on est enrôlé, si on est inscrit sur des listes. Tout à fait. D'ailleurs, on vous a vu donc pendant ce temps parcourir plus de 10 villes de la Côte d'Ivoire. Quelle a été, qu'est-ce que, qu'est-ce, comment ça s'est passé? Écoutez, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'aller vraiment d'ouest en est. Donc, on a fait Mans, on a fait Duékoué, on a fait Gonaté, on a fait Bonon, pour ceux qui connaissent la carte de Côte d'Ivoire, on a fait Daloa, on a fait Ouais, ça je Boafé, connais. Dimbokro, Toumoudi, ça fait une transversale hein, d'ouest en est. Ensuite, on a fait Abidjan, on a fait 6 des 10 communes, on a fait Atécoubé, on a fait Abobo, on a fait Adjamé, on a fait Opougon, on a fait Cocody, on a fait Bingerville. Et puis ensuite, Odiené, pour finir. Parce que je tenais à aller au nord, c'est un engagement que j'avais pris en décembre 2023. J'irai partout. Et ça, c'est quand même significatif. Quand vous faites une telle sélection de villes à travers la Côte d'Ivoire et que vous constatez quelque chose, c'est que c'est une chose qui est réelle, qui est assez profonde. Ce qu'on a constaté partout, c'est une prise de conscience de l'enjeu, je pense supérieure à toutes les révisions antérieures, et une mobilisation croissante. C'est ce qu'on a observé. Première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, la quatrième semaine a été très forte. Je crois qu'on a fait pendant la quatrième semaine autant que pendant les 3 semaines précédentes, ce qui indique Ce qui est vraiment énorme. une dynamique très puissante. Est-ce que vous avez été surpris par la réaction donc des populations pendant que votre tournée? Et moi, j'ai vraiment la conviction profonde. Je crois beaucoup dans l'intelligence collective. Et donc, je crois que les Ivoiriens sont très intelligents. Ils comprennent la situation dans laquelle on est et ils comprennent les enjeux et que c'est. Voilà. Donc, je ne suis pas surpris qu'il y ait une mobilisation. J'étais en tout cas particulièrement heureux de voir beaucoup de jeunes. Parce que le vrai enjeu, vu la structure démographique de la population, c'est des gros mots, mais enfin, la jeunesse de la population ivoirienne en général, c'est vraiment que les jeunes s'inscrivent. Et donc, je demandais toujours là à ceux qui, les jeunes majeurs, quel âge vous avez, vous êtes là, etc. Et il y avait quand même pas mal de jeunes, mais on peut faire beaucoup mieux. Hein. Quand je vois que certains musiciens arrive à 1 million de views, 2 millions de views, je me dis qu'en tant qu'homme politique, on a encore du chemin à faire pour communiquer avec cette jeunesse et la mobiliser. Mais c'est Alors, possible. c'est possible. Et donc, justement, est-ce qu'on a les premiers résultats? Vous avez parlé tantôt. Non, écoutez, la CEI nous donnait les résultats chaque semaine pendant les 3 premières semaines. Je crois qu'ils étaient autour de 500 000 à la fin de la troisième semaine. Et là, cette fois-ci, depuis dimanche, on espérait avoir les chiffres, mais on nous dit qu'il y a des problèmes d'informatique. Donc on est un peu en attente. Alors il y a des informations qui circulent. Nous, on nous a dit 1 million, 1 million 92 000. 1 million 100, peut-être 1 million 500. Bon, dans tous les cas, je pense qu'on peut dire avec confiance que c'est un niveau significatif et supérieur aux révisions intérieures. Il faut quand même rappeler aussi que la révision par la loi devrait avoir lieu chaque année. Donc on en aura une l'année prochaine. On en a eu une en 2022, on a eu une en 2024, on n'en a pas eu en 2021, on n'en a pas eu en 2023. Donc, ça milite pour une prolongation du délai. Parce que quand on n'a pas pu tenir ce type d'engagement, il y a un retard accumulé. Beaucoup de gens qui n'ont pas pu s'inscrire, et puis là, ça a été relativement soudain, les gens n'ont pas eu le temps de faire leur papier. On sait qu'il y a un engorgement au niveau de la production des certificats de nationalité. Donc pour moi, la décision d'arrêter et de ne plus rien faire avant jusqu'à l'élection serait vraiment impossible à justifier. Là, on a un pipeline de gens qui sont prêts, qui ont fait les dépenses, qui sont déplacés. Il y a Moussokro, à Toumoudi, si vous voulez obtenir votre papier, qui ont fait. Et ils sont prêts maintenant, ils n'attendent plus que leur certificat de nationalité pour aller s'inscrire, pour voter. Je ne vois pas comment on pourrait, pour des raisons financières, leur dire non, vous ne pouvez pas voter. D'autant plus que la communauté internationale est très intéressée par cette élection, compte tenu de son impact non seulement sur la Côte d'Ivoire, mais sur toute l'Afrique de l'Ouest. Et que donc, moi, ce que j'entends, en tout cas, c'est qu'ils sont prêts à financer la prolongation de cet exercice ou un nouvel exercice. Ça rendrait plus crédibles les élections. Absolument. Et je crois que c'est notre intérêt à tous de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que cette élection se passe bien. Vous savez, les gens qui, en Côte d'Ivoire, ont moins de 30 ans, n'ont jamais connu d'élection vraiment apaisée. L'élection de 1995, il y a eu le boycott actif. En 2000, on a vu ce qui s'est passé, un coup d'État. En 2005, il n'y a pas eu d'élection. 2010, ça a été encore, on a eu ensuite le conflit qui a fait des milliers de morts. À Dioïko, j'ai encore rencontré des victimes de guerre. C'est absolument abominable.
Bon, 2015, c'était difficile. 2020, on sait dans quelles conditions négatives l'élection s'est déroulée. Donc, j'aimerais qu'on puisse faire le cadeau aux jeunes Ivoiriens de découvrir ce que c'est qu'une élection apaisée et crédible. Oui, je pense qu'aussi, et je pense que donc votre message est vraiment très clair et bien passé. Et Je crois qu'il a été entendu. En tout cas, on a des indications encourageantes hein, sur le fait qu'à ce stade, on soit au-dessus du million, mais qu'il y ait vraiment toutes ces personnes qui ont fait toutes les démarches, qui ont fait l'effort nécessaire, qui ont dépensé l'argent nécessaire pour être enrôlés. Pour moi, c'est prometteur pour la démocratie ivoirienne. Et la démocratie est une étape incontournable sur le chemin du développement pour avoir des gouvernements qui sont à l'écoute des populations et qui sont tenus responsables par la population des résultats qu'ils produisent ou pas. On a environ combien d'enrôlés actuellement et... Oh, disons autour de 8 millions. 8 millions, ce qui est normal parmi les autres des autres pays. Ben, c'est pas beaucoup. Pour un pays où il y a 30 millions d'habitants, après on peut avoir un débat sur combien sont ivoiriens, etc. Mais dans tous les cas, pour vous donner une comparaison, le Ghana qui a 30 millions d'habitants a 17 millions sur la liste. Donc à 8 millions, on est loin du compte. Quand vous avez 35% de participation, comme aux élections du 2 septembre 2023. Je ne veux pas ennuyer tout le monde avec des chiffres, mais ça fait en gros... Ah non, c'est important les chiffres. Ah non, c'est important. Ça veut dire que la majorité est à 1 million. Ça veut dire qu'avec 1 million, 1 million 100, 1 million 200 000 voix en Côte d'Ivoire, juste là, le nombre de gens qui sont enregistrés cette fois-ci, vous pouvez décider de l'avenir du pays. Ce n'est pas possible. En tout cas. Merci. Merci, Tidiane Thiam. Merci de nous avoir eu aujourd'hui. Merci à vous. Pour cette première édition de 20h25. Il y en aura d'autres en fonction de l'actualité. Ok. On espère, en tout cas. À bientôt. Merci. Tous. Merci.